Monsieur Mustapha Guitoni, bonjour. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, on parle de la transition énergétique et la nécessité d'aller vers une diversification des moyens énergétiques. Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie est déjà prête aujourd'hui? D'abord, madame, merci pour l'invitation. Je dirais que les énergies renouvelables et particulièrement la photovoltaïque, elle a été lancée en Algérie il y a bien longtemps. Donc il y a des sites pilotes qui ont été érigés au sud. Et actuellement, nous sommes pratiquement sur 340 MW d'énergie renouvelable, qui est la photovoltaïque. Donc je pense que le stade expérimental est dépassé. On est en train de pratiquement gérer cette énergie. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec 340 mégawatts, nous sommes suffisamment prêts? Nous avons de l'avance ou nous avons du retard? Si on se compare à des pays dans notre région, M. Guitoni? Je suppose qu'au niveau technologique, nous ne sommes pas en retard. Même au niveau de cette veille technologique et les énergies renouvelables, je pense que nous sommes quand même à la page, il n'y a pas de problème particulier. Et nous sommes en train de travailler pour un peu cadrer cette activité qui est nouvelle pour nous. Et dans ce cadre-là, donc, il y a, si vous voulez, tout le cadrage légal et technologique qui est en train de se mettre en place. Alors, une activité nouvelle, et c'est considéré aujourd'hui par le chef de l'État, les énergies renouvelables comme priorité nationale. Quelles sont les actions que vous allez engager à partir de maintenant pour être au rendez-vous de 2020, 2030, 2035, 2040, puisque vous êtes fixé des objectifs au niveau de Sonelgaz? Les objectifs qu'on a fixés, ça reste d'abord une priorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et ça reste notre priorité, nous aussi. Nous sommes en train de rédiger, préparer le côté légal de cette affaire. Et je pense que à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, il y aura donc un appel sur ce volet-là, qui est l'énergie renouvelable. Un cahier des charges qui définira un peu les règles qui conditionnent cette activité. Et les objectifs qui ont été fixés, donc qui sont de 4000 MW en photovoltaïque, et de 500 MW en éolien. Donc c'est des objectifs qui sont, je pense, à mon avis, réalistes et qui s'étalent sur 10 ans avec 400 MW en. Et nous ouvrons pour que ça se fasse dans les meilleures conditions et dans un cadre, je vous ai dit tout à l'heure, qui est légal, parce que c'est une activité nouvelle. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on ne peut associer aujourd'hui, dans l'étape actuelle, les énergies renouvelables sans une intégration industrielle parallèlement? Actuellement, l'énergie classique, donc elle est là un peu pour régler les problèmes industriels. Et nous en avons, puisque le pays s'industrialise très vite. Et l'énergie renouvelable viendra un peu supplier à cette énergie classique, ce qui nous permettra un peu de sortir de tout ce qui est pétrole et tout ce qui est hydrocarbures. C'est une solution de rechange qui est la bienvenue. Mais pour Sonelgaz, c'est impératif aujourd'hui par rapport aux objectifs, c'est-à-dire d'intégrer 40% de la production des énergies renouvelables dans la consommation électrique domestique actuellement. Vous savez, c'est au niveau des cahiers des charges que ces cotes-parts et ces clients potentiels qui vont être déterminés. Et c'est qu'avec cette réglementation qu'on pourra dire quel est le pourcentage intégré. Donc, on attend la fin de l'année, on aura cette réglementation, et je pense que là, on pourra définir. Mais l'objectif est le même, c'est d'arriver à 4000 MW avec une moyenne de 400 MW en. Ça, on le maintient.
Mais aujourd'hui, pour répondre à la demande, il est nécessaire de développer d'autres énergies à part celles que les traditionnelles, c'est-à-dire fabrication de l'électricité à partir du gaz, à partir du moment où la seule ressource dont nous disposons, qui est très très importante, c'est le solaire, elle est gratuite et elle est disponible. Oui, elle est gratuite, elle est disponible. Nous allons en disposer. Et donc déjà, j'ai dit tout à l'heure qu'on était quand même à presque 400 mégawatts. C'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on est en train de prendre la main sur cette technologie nouvelle. Et nous y arriverons. Mais certains font aussi des comparatifs avec certains pays voisins. Ils disent que nous sommes en retard. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai, M. Guitouni ? Non, tout est relatif. Je ne pense pas qu'on, techniquement, on n'est pas en retard. Maintenant, c'est l'option qui a été prise peut-être un peu en retard. Mais on est là pour œuvrer pour que ça se fasse dans les délais et avec les mégawatts qu'on a escomptés. Mais comment Sonel Gaz va opérer ? Seul ? Avec des partenaires nationaux ? Étrangers ? Avec des opérateurs privés ? Comment vous allez faire ? Bon, je pense que je reviens toujours au cahier des charges. Le cahier des charges, donc, va définir la réglementation. Et je pense qu'il y aura des appels d'offres à intéressement. Mais on a toujours su que Sonel Gaz avait des difficultés financières par le passé. Aujourd'hui, est-ce qu'elle arrivera avec ses fonds propres à réaliser tous les programmes qui sont inscrits ? Vous parlez d'énergie renouvelable ou d'énergie classique ? D'énergie renouvelable, et j'aborderai avec vous également la question des énergies classiques. L'énergie renouvelable, je vous ai dit qu'on allait faire, ou le ministère de l'énergie allait faire appel à des appels d'offres et qui seront pris en considération pour définir. C'est des financements extérieurs. Ça, c'est. On ne peut pas faire autrement. Alors, quand on parle de transition énergétique, comment nous, on s'y prépare aussi parallèlement pour rassurer cette sécurité énergétique qui est très importante, à la fois pour répondre aux besoins nationaux, pour la consommation domestique, mais également pour l'industrie et accompagner toute cette dynamique qui est inscrite ? Moi, je pense, pour à titre d'exemple, ça sera une substitution. C'est-à-dire, c'est l'énergie renouvelable qui vient un peu aider le secours de l'énergie classique. Et je pense que les taux qui sont réalisés viendront supplier l'énergie classique. Vous pouvez nous expliquer un peu plus ? Un peu plus. Les 400 mégawatts qui arrivent, donc plus les 400 mégawatts qui vont arriver chaque année, vont nous faire une économie de gaz naturel qui, lui, sera donc orienté vers d'autres utilités, comme peut-être vers l'exportation. Et là, vous rentrez dans un cadre qui relève son attraque. Mais quand on parle aujourd'hui aussi des besoins domestiques, est-ce que nous arrivons à répondre à la demande ? Nous avons vu que cet été, il y a eu des moments de pic et Sonel Gaz a pu répondre à la forte croissance de la consommation énergétique. Mais est-ce qu'à ce rythme-là, on peut continuer à répondre à cette forte demande ? Moi, je pense que c'est une question très pertinente. D'abord, on a répondu cette année au pic de la consommation. Mais je voudrais un peu revenir, vous me donnez l'occasion, à l'utilisation rationnelle de l'énergie. On ne peut pas éternellement aller vers des pics. À un certain moment, il faut qu'on ait un mode de consommation énergétique. Il faut que les citoyens ou l'industriel sachent économiser cette énergie, qui est d'ailleurs très très chère. Et là, je dirais même qu'on pourrait commencer au niveau de l'école. Au niveau de l'école, en introduisant peut-être un petit cours d'un quart d'heure par tous les deux ou trois jours, je ne sais pas, qui apprendra à l'enfant comment se comporter vis-à-vis de l'énergie. C'est très important. Et quand les gens et les citoyens apprendront à consommer utile, je pense que les pics seront plus supportables. Et les investissements aussi seront moins lourds. Donc je pense qu'il est temps de communiquer, énormément communiquer, pour ramener le citoyen à consommer d'une manière rationnelle et d'utiliser aussi des appareils qui ne sont pas énergétivores, qui obéissent à des normes internationales,
et qui pourront, et le citoyen ne va plus parler de sa facture, la fameuse facture salée. Parce qu'on a, remarqué, on est des Algériens, vous avez des domiciles où il y a 4 ou 5, 6 chambres, elles restent allumées avec des lustres qui ont 10 ou 15 lampes, alors pourquoi les laisser allumées? Il faut aller vers une pièce dans laquelle on vit toute la journée, éteindre le reste. Et le problème de faire repasser qu'on branche et qu'on l'oublie, et les problèmes aussi de télévision, de démo, qu'on laisse allumer, c'est ça. Éduquer pour arriver vers un mode de consommation rationnel. Mais certains considèrent qu'on ne peut aller vers une rationalisation de la consommation énergétique sans bien sûr aller vers une augmentation des prix réels qui soient pratiqués aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce point de vue aujourd'hui que vous êtes à la tête de cette entreprise, monsieur Guitouni ? Les prix. Je pense que, bon, d'abord, les augmentations de prix, ils ne sont pas à l'ordre du jour. Maintenant, moi, je dis rationaliser, économiser, c'est une façon, quelque part, de réduire la facture. C'est comme ça que je conçois les choses. Mais quand vous dites que les prix ne sont pas à l'ordre du jour, qu'est-ce que vous entendez par là ? Par rapport à la prochaine loi de finances ou par rapport à... au jour d'aujourd'hui ? Je dis qu'ils ne sont pas à l'ordre du jour. On n'a pas de problème particulier actuellement. Monsieur Mustapha Guitouni, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, monsieur Mustapha Guitouni, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, moi, je voudrais vous parler des réalisations actuelles de Sonel Gal par rapport aux investissements. Est-ce qu'ils demeurent aussi importants ? Ben oui, parce que c'est des... Vous savez, à Sonel Gaz, on planifie à très très long terme. À l'instar pratiquement de toutes les sociétés qui s'apparentent à la nôtre. Et il y a des investissements donc qui ont été réalisés en 2016 et qui ont permis justement le passage de l'été 2016. Il y a d'autres investissements qui sont en train de se réaliser actuellement pour parer au passage de l'été 2017. On peut avoir... le niveau de ces investissements par rapport à ce plan que vous mettez en œuvre, monsieur Guitouni, sachant que par le passé, on a toujours parlé des difficultés financières que rencontre l'entreprise nationale. Vous savez, en fin de compte, c'est des gros investissements. Et ces investissements, donc, ils ont été opérés en 2016. Avec des chantiers terminés et mis en service. Donc je répète ce qui a permis un peu ce passage en 2016. Il y a des chantiers actuellement qui sont en cours. Donc ils sont budgétisés. Et qui sont budgétisés, je dirais oui et non. Bon, on a bien démarré ces chantiers-là, il va falloir les terminer. Et comment vous allez faire sur le plan financier, monsieur Guitouni, sachant que tout le monde connaît les difficultés financière que rencontre l'entreprise? Moi, je pense que les difficultés financières, tout le monde en a. Et on est au courant de ces difficultés financières. On les gère. Le recours éventuellement à un endettement externe est-il envisagé financer tous ces plans? Pour le moment, on n'a rien envisagé. Mais il est bien possible qu'on aille vers l'extérieur. C'est-à-dire, pour mieux expliquer, pour que les auditeurs qui nous entendent ce matin puissent bien comprendre. Oui, je pense que c'est une question qui aura une réponse en temps opportun. Mais quand vous parlez de possibilité d'un recours à un endettement extérieur, vous parlez étranger. J'ai jamais dit ça. C'est vous qui le dites. Alors, extérieur ? Extérieurement, on a aussi des... On a des investissements... Quand je dis extérieur, c'est extérieur au public. Alors, monsieur Guitouni, aujourd'hui, vous dites, nous mettons en place des plans pour répondre à la demande. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, une idée claire et précise sur le niveau actuellement de la consommation
que vous connaissez, notamment en période d'été. Vous avez parlé des mécanismes que vous avez mis en place pour arriver à répondre favorablement à cette période, en période de pic. L'hiver arrive également. La même chose, même investissement, même niveau, ou vont-ils augmenter davantage? Vous savez, quand Sonelgaz fait ses plans à long terme, elle intègre tous les paramètres économiques et industriels. Et elle détermine des valeurs. Et ces valeurs-là sont calculées et déclinées en plan de développement. Et je pense qu'au niveau de l'été 2016, où pratiquement il y a eu un passage, je dirais presque parfait, l'évolution, on la connaît, et on sait à quoi s'attendre à 2017. Et on est en train d'œuvrer pour passer 2017, Inch'Allah, à l'akhir. Avec des indicateurs chiffrés, pouvez-nous donner les niveaux de consommation actuels et ceux qui sont peut-être prévus pour l'hiver déjà et après 2017? Vous savez, on a atteint des pics de 13 000 mégawatts. 13 000 mégawatts, donc ça c'est les pics, parce qu'on a deux pointes. On a la pointe été et la pointe hiver. Ces 13 000 mégawatts, je pense qu'ils vont peut-être plus ou moins être atteints en hiver. Et en 2017, il faut rajouter les fameux 2 000 mégawatts pour passer minimum à 15 000 pour passer l'été 2017. Vous en avez les capacités, les moyens actuellement? Nous sommes en train d'aller vers ces capacités et nous sommes en train de réaliser. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé aujourd'hui, ce qui est constaté aujourd'hui, M. Guitouni, c'est que vous avez lancé un certain nombre de mises en demeure pour récupérer, pour aller vers le recouvrement de vos créances impayées, et vous n'avez pas écarté éventuellement le recours à la justice. Comment vous allez faire? Et est-ce qu'on peut avoir, par exemple, le niveau de ces recouvrements? Je suis un peu étonné pour cette question, parce que nous sommes des commerciaux. Et un commercial récupère ses créances. Pourquoi quand c'est Sonelgaz qui le fait, on est étonné? Pourquoi? Maintenant, nous fidélisons nos clients. Et à partir de ce postulat, on dit qu'on préfère discuter à l'amiable, faire des échéanciers et épargner la coupure et la justice. Pour tout le monde? Sans distinction aucune, monsieur? Vous savez, on ne peut jamais parler sans distinction aucune. Il y a toujours des cas particuliers. Eux, ils seront traités d'une manière particulière. Mais quand vous parlez des créances impayées, elles sont de quel ordre, ces créances, aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont vraiment très lourdes, au point de menacer de recourir à la justice pour les récupérer? On n'a pas menacé de recourir à la justice. Vous allez le faire? Non. Quand on recouvre les créances, comme dans tous les pays, on donne un délai. Donc l'abonné a un délai pour payer sa quittance, quand il en a une seule. Quand c'est un client qui paye ses factures, c'est 15 jours. Au-delà de 15 jours, une procédure automatique qui se déclenche. C'est la relance. Au-delà de 15 jours, c'est la coupure. Mais quand on a 30, 40 quittances dans un portefeuille, et que le client ne veut pas payer ses créances, il est obligé d'aller quelque part les réclamer. Je pense que c'est commercial et ça existe dans les contrats qui nous lient aux citoyens. Le niveau de ces créances impayées, monsieur Guitouni? Ils sont de 64 milliards de dinars. Alors, ces créances, c'est le plus gros, c'est au niveau de l'administration, des entreprises publiques? Je pense qu'on peut dire 60-40 public-privé. Parallèlement à ça... Attendez, pardon, je m'excuse. Et je dis que on est en train de récupérer les créances. On est en train de récupérer. Le citoyen adhère. Et puis je pense que il sait qu'il doit un peu payer ses factures. Voilà. Alors, vous êtes Sonelgaz, un service public par excellence. Vous avez procédé à un certain nombre de changements au niveau de vos structures depuis votre arrivée à la tête de Sonelgaz. Est-ce que vous visez un objectif particulier, c'est-à-dire une obligation de résultat à tout prix? À Sonelgaz, l'obligation de résultat existait toujours avant que je n'arrive à Sonelgaz. Les gens ont l'obligation de résultat.
Mais ces changements ont quand même un côté normal, parce qu'il y a des PDG qui ont atteint l'âge pour partir à la retraite. Et certains, ils ne sont pas très nombreux, donc on a été obligé de les réorienter pour un peu booster certaines entreprises de travaux. Alors aujourd'hui, pour améliorer les prestations, les moderniser, des actions particulières que vous allez engager, puisque c'est un service public, Sonel Gaz. C'est un service public qui tient à s'améliorer. Donc il va numériser un peu toutes les actions. Nous avons même une société qui s'occupe un peu de nos programmes et tout ce qui est action de numérisation. Et on va aller prochainement vers le TSP. Donc c'est un appareil qui permet de relever les index à partir du compteur d'une manière électronique. C'est-à-dire l'intervention de l'homme n'y est pas. Il présente son appareil devant le compteur, il prend les index, il les verse directement par le biais d'un programme sur la sortie de la facture. Je pense que tous les problèmes d'index qu'il y avait, les erreurs de lecture, vont se régler. Et là, c'est un grand pas. Vous êtes aussi en train de changer tous les compteurs, mettre en place les compteurs intelligents. Nous sommes en train qui permettront de prélever la facture à distance. Nous sommes en train de mettre les compteurs intelligents en place. Les compteurs, donc, on est obligé d'aller chez l'abonné, mais ils seront relevés d'une manière électronique. Et là, je profite, puisque vous me donnez l'occasion, de parler un peu du comptage. On a des citoyens qui fraudent, qui utilisent un peu des manières inélégantes pour un peu nous soustraire les kilowattheures. Alors, je pense qu'avec cette façon de faire ces compteurs électroniques, la chose va s'atténuer. Mais on demande aussi aux institutions, puisque vous me donnez cette occasion, de nous aider à récupérer d'abord nos créances et un peu à éradiquer ces fraudes. Et ça ne fera que soulager le trésor public. Mais comment vous allez faire face à ces raccordements illicites aujourd'hui? Vous pouvez les détecter? Vous les connaissez? Vous savez où ils sont situés? C'est-à-dire, nous, quand on passe appartement par appartement, les sites par site, on détecte les fraudes. Quand on les détecte, donc il y a toute une procédure. Et ensuite, on oblige un peu le client, quelque part, de se mettre à jour et de mettre un compteur. Nous sommes en train de mener cette opération. Le vol de câbles, autre phénomène que vous rencontrez, extrêmement préjudiciable pour l'entreprise. Les vols de câbles et les atteintes tiers. Pas plus tard qu'hier, on a eu une atteinte tiers au centre-ville du côté de Cuba qui nous a un peu énormément dérangé. Parce que c'est un câble 60 000 kilovolts issu d'un poste 220-60 qui alimente un peu 40% des abonnés d'Alger. Donc ce câble-là, il a été touché par des ouvriers qui travaillaient pour un particulier. Ils ont déterré un peu la tranchée, et ils ont enlevé la dalle en béton qui couvrait le câble. Et ils ont touché le câble. Moi, je pense que ces actes d'incivisme doivent être combattus. Et je pense que le citoyen est là pour nous aviser quand il est devant cet état de fait. Et on dit aussi aux citoyens, quand il veut entamer des travaux, il peut se rapprocher de nos services, nous sommes présents partout. Et nous pouvons lui indiquer un peu le tracé de nos câbles pour éviter ce type de désagrément et qui coûte très très cher à l'entreprise. Alors, autre problème que vous rencontrez aujourd'hui pour la réalisation de vos investissements, vous faites face aussi à certaines difficultés avec des tiers, notamment pour ce qui concerne les expropriations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Sonel Gaz, par endroit, elle n'est pas totalement présente, notamment dans les endroits enclavés. Vous savez, ce problème d'expropriation, il ne fait que s'accroître. On a pratiquement des centres, des villages, des centres qu'on a alimentés en gaz au point de vue distribution. Et quand on a voulu réaliser la canalisation pour les alimenter à partir d'un poste, on nous a empêchés de passer. Et on a plusieurs cas. Et là aussi, on se remet aux autorités, aux institutions, pour qu'ils puissent un peu nous aider aussi
à régler ce problème-là avec la déclaration d'utilité publique. Et les choses commencent à changer. Les Walis nous donnent un bon coup de main. Nous sommes en train de régler ces cas-là. Vous contournez par moment ? Souvent. Ce qui est un peu... Vous savez, quand vous contournez un tracé, vous augmentez la dépense. Donc on demande, on fait appel au civisme des citoyens pour un peu regarder cet état de fait qui empêche tout un village d'avoir du gaz ou de l'électricité. Mais justement, j'allais vous poser la question. Parfois, on cherche la modernité et on est confronté à des réalités qui sont palpables. Par exemple, les questions d'expropriation. Comment arriver à concilier les deux ? C'est-à-dire trouver un compromis, un compromis entre, bien sûr, les revendications qui sont exprimées par des populations qui ne veulent pas quitter leur territoire ou leurs biens, et apporter aussi, c'est-à-dire l'électricité ou le gaz au niveau de ces régions. Vous savez qui sont quand même assez nombreuses. Vous savez que l'expropriation, l'objet est une loi. Il y a une loi qui détermine un peu le droit de chacun. Nous discutons tout le temps avec ces propriétaires. Il y a certains qui acceptent et qui ils sont conscients de l'intérêt public. Il y a d'autres un peu qui refusent. Mais généralement, après des longues et des longues discussions... Ça ralentit les chantiers. Ça ralentit énormément le chantier, donc on est obligé de payer un peu plus. On arrive à des consensus. Alors aujourd'hui, il y a des préoccupations qui sont soulevées par les citoyens. Par exemple, la question de quand on est, il y a une surfacturation par rapport à la consommation. Est-ce qu'il y a des moyens de recours au niveau des agences de Sonelgaz ? Ce terme-là de surfacturation... L'indexation, par exemple. Il faut dire surfacturation dans les deux sens. Il ne faut pas parler dans un seul sens. On peut faire une erreur sur un index en plus ou une erreur en moins. Donc, on rectifie et la prochaine facture, si cette facturation elle est élevée par rapport à la consommation normale, elle est rectifiée dans le bon sens et vice-versa. Mais ceci est dû aussi au fait que les gens sont absents lors de notre passage. Donc on est en train de faire une très grande opération depuis 2003-2004, c'est celle de sortir les compteurs à l'extérieur. Je pense qu'avec le temps, ça va s'estomper. Et avec le TPS qu'on a mis en place, il n'y aura plus ces problèmes d'erreurs d'index, pas de surfacturation, d'erreurs d'index. Et vous les avez partout, les erreurs. Quand vous relevez 10 chiffres 1000 fois par jour, je crois qu'à un certain moment, vous commettez une ou deux erreurs. C'est la loi du nombre, ça. Mais 1000 chiffres, ça coûte aussi de l'argent pour le consommateur. Vous parlez aujourd'hui, par exemple, de relever l'indexation du compteur, l'index du compteur. Mais il y a parfois, quand on ne trouve pas, par exemple, les citoyens, on recourt au forfait. Non, le forfait... C'est logique ou c'est pas logique? Non, le forfait, c'est l'application qui l'affecte directement. Ce n'est pas nous qui intervenons. L'application informatique prend en charge l'index, elle le compare à l'historique de consommation de l'abonné. C'est tout ce qu'on fait, elle le forfait. C'est tout. Donc il n'y a pas de problème particulier, ça se fait dans le monde entier. Pourquoi on s'étonne ici que ça se fasse ? Alors, une des dernières questions que je vais vous poser, Monsieur Guitouni. Cette année, vous avez pu exporter de l'électricité en la vendant à la Tunisie. Il y a d'autres programmes que vous allez inscrire pour l'exportation de l'électricité. Nous savons que pour l'Espagne, il y a eu quelques difficultés à un moment donné, mais pour d'autres pays, moi, je pense que les exportations vers la Tunisie et le Maroc, elles se font d'une manière contractuelle. Et elles se font... dans un souci technique. Donc, il n'y a aucun problème particulier. Ça s'exporte normalement de part et d'autre. C'est une bonne chose pour l'entreprise ? C'est une bonne chose pour l'entreprise, bien sûr. Mais si on exporte, est-ce que cela veut dire quelque part qu'on est en surproduction ? Le fait de dire exporter, techniquement, c'est compenser le manque de part et d'autre. C'est-à-dire ? C'est une compensation qui se fait entre les deux réseaux automatiquement, à travers des mécanismes intelligents.
contient mon côté tunisien. Donc c'est une partie qui va vers eux et vice-versa. Et en fin d'année, on fait le décompte. C'est tout. Mais quand on exporte, est-ce qu'on gagnerait aujourd'hui, par exemple, pour l'exportation, à améliorer notre réseau de transport? Parce que nous savons qu'à un moment donné, il y a pratiquement 2 ans, c'était le point faible de l'entreprise. Il y a eu des investissements qui ont été faits sur le réseau transport. Il continue encore à se faire. Et il reste encore à parfaire. Il reste à parfaire. Qu'est-ce qu'il reste à faire, très rapidement? À parfaire, c'est le transport. Il va être encore plus fiable. Et on a aussi des réseaux 400 qu'on n'avait pas avant. Donc ça peut aider un jour peut-être à exporter. Monsieur Mustapha Guitouni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup de nous avoir accordé merci, un peu madame. De votre temps, en marge bien sûr de la conférence mondiale sur les énergies. Merci. Merci madame, ça a été un réel plaisir. Merci également. Merci.